Bonjour à tous, j'espère que tu vas bien. On est mardi 25 juin. Voilà, on termine le mois de juin tranquillement. J'ai une pensée toute particulière aujourd'hui pour Nathalie qui m'avait offert le jeu de l'archange Michael, qui n'est pas là en ce moment, qui est partie se faire opérer. Voilà, donc bon, je lui envoie tout mon soutien, tout mon amour. Et elle m'a prêté en attendant les portes de l'âme. Et l'esprit de la forêt. Donc, je la remercie beaucoup. Je lui envoie tout, plein d'amour, plein d'ondes positives. Donc aujourd'hui, on va utiliser les portes de l'âme. Voilà. Et puis, on va tirer une carte. Enfin, on va tirer plusieurs cartes d'ailleurs. Je remercie les guides, les anges et les archanges de m'aider à faire cette guidance. Je sais que les archanges sont auprès de Nathalie, donc c'est ce que j'ai ressenti. Donc, je suis contente pour elle. Je sais qu'après ça va aller mieux. Donc, j'en suis sûre même. Voilà. J'espère. Voilà, en tout cas, elle a tout mon soutien. Et puis, voilà, ça va aller mieux. Bon, ben voilà. Aujourd'hui, on va attirer des choses. On va tirer des choses. On va tirer une carte des archanges et un message aujourd'hui. Alors, une carte des archanges. Alors, je sais que j'ai l'archange Michael, l'archange Raphaël. Toujours les deux mêmes qui viennent me voir. J'ai très souvent l'archange Michael. Ça, c'est mon archange. Il n'est pas qu'à moi. Mais c'est celui qui m'accompagne très très souvent pendant les guidances. Donc, je suis ravie. Et puis s'il me donne une carte, mais je la prends, hein, le numéro. Je prends le numéro. Hein. Donc si les archanges veulent bien me donner le numéro du message de la carte, non, là ça fait trop. Alors je mélange. Ah, il y en a plein qui se sont retournés du coup. Je mélange, je me concentre. Alors, bienvenue sur ma chaîne si tu es nouveau ou nouvelle. Je remercie les nouveaux qui se sont abonnés. Et puis, je ferai un petit quelque chose pour les 5000 abonnés. Je vais réfléchir à ce que je peux offrir pour les 5000 abonnés. Je vais peut-être offrir, je sais pas, je vais voir. Je vais réfléchir. Attendez-vous à une surprise pour les 5000 abonnés. Et là, je prends la 4. 1. 2, 3, 4. Voilà. Alors, je vais déjà commencer par ces... Voilà. Attraction. Aujourd'hui, tu es un aimant puissant. Donc, fais attention à tes pensées parce que tout ce que tu penses, tu vas l'attirer à toi. Donc, tu fais très, très, très attention à ce que tu penses. D'accord? Je suis un aimant puissant. Donc, pense positif parce que tu vas attirer à toi du positif. Et puis, tu as l'archange Sandalphon pour tout ce qui est don, écriture, peinture, musique, tout ce qui est artistique. Je réveille vos dons. L'archange Sandalphon dit, je réveille vos dons en douceur dans la lumière divine. Je suis là pour vous aider, mais si vous ne faites pas appel à nous n'intervenons pas sans votre accord. Votre don ne demande qu'à s'éveiller et à briller. Je vous salue. Donc, je remercie l'archange Sandalphon de nous envoyer. Moi, je vais l'appeler. Je vais l'appeler pour tout ce qui est don. J'ai envie de créer des choses en plus, donc ça tombe bien. Je suis sûre que vous aussi, d'ailleurs, vous êtes très créatifs. Il y en a certains d'entre vous qui sont dans la peinture. Ben, on peut être créatif en ésotérisme aussi, on peut créer des choses, on peut. Mais il y a beaucoup de personnes qui font des tableaux vibratoires. Là, je vois des tableaux vibratoires. L'écriture aussi, beaucoup certains d'entre vous écrivent, c'est très bien ça. Écrivez en pensant que vous allez être publié. Hein. N'écrivez pas en vous disant, ah ouais, mais j'écris, mais peut-être ça sera jamais publié. Non, il faut toujours penser que vous serez publié, on ne sait jamais. Attention, hein, si vous pensez que vous serez publié, vous serez publié. Hein.
Donc, allez-y, hein. Attirez à vous, hein, des choses. Et on a l'archange Aniel, qui est pour la clairvoyance, la féminité, la sensibilité, le bonheur. Donc, si les archanges ont des messages... Alors, les messages, c'est si vous avez envie de faire des tableaux vibratoires, de faire de l'art, allez-y, foncez, c'est maintenant. Si vous avez envie de faire de la clairvoyance, allez-y. Parce que vous êtes sensible, et puis vous avez droit au bonheur. Vous avez une féminité, sensibilité, bonheur. Vous avez le droit au bonheur. Vous avez le droit d'attirer à vous le bonheur. Pour tous ceux qui sont tristes, qui sont pas bien, qui sont malades, qui sont, il faut voir de l'avant. Il faut penser positif. Quand on est malade, ça dure qu'un temps. On n'est pas malade tout le temps, à moins que ce soit une maladie à vie. Mais les maladies à vie, c'est supportable sur la durée. On a des traitements, on a... Voilà. Alors, il faut, je parle de ma maladie. Alors, j'ai une maladie en 2002. J'ai été malade, j'ai perdu 10 kilos en 7 jours. Donc, c'était énorme. C'est la maladie de Crohn, mais en fait c'était suite à un choc émotionnel, donc quand j'ai perdu mon papa, donc qui est mort en 2001, et ensuite eh bien, en 2002 ma grand-mère est décédée aussi, et cette année-là on a perdu beaucoup de personnes de notre famille, parce qu'on a perdu mon père, après il y a eu un oncle, après il y a eu un cousin, après il y a eu ma grand-mère. Donc bon, ça commence à faire beaucoup, sur un an et demi à peu près je crois, sur une bonne année, on a eu 4 ou 5 décès, donc c'était, voilà. Et puis j'ai fait une réaction émotionnelle, choc émotionnel, j'ai eu la maladie de Crohn. Enfin, c'est ce qu'ils m'ont dit. Moi, pour moi, maintenant, je suis guérie parce que j'ai eu cette maladie en 2002, je me suis soignée. En 2003, j'ai eu une rechute, j'ai pris de la cortisone, donc 60 mg de cortisone, je peux te dire que tu gonfles de partout. Hein, tu gonfles des bras, tu gonfles du cou, de partout, hein, tu doubles de volume. Donc j'étais méconnaissable. Et moi qui suis plutôt fine, je me suis dit waouh, ça fait ça la cortisone. Et puis en plus, c'est un dopant. Hein, j'étais sur du 320 volts. Hein, alors moi déjà qui suis. Voilà. Ben là, c'était encore plus. Et puis, il fallait que j'arrête de fumer. Donc, ben, j'ai diminué carrément de fumer. Mais je fumais quand même. Donc, et puis, en 2006, j'ai eu une petite. En 2006 ou 2012, enfin en 2006 j'ai eu comme je sais pas, j'étais pas bien, je pensais que j'avais de la fièvre, tout ça, je pensais que en fait je crois que j'ai eu une grosse gastro, parce que la maladie de Crohn c'est une gastro multipliée par 100, hein. Donc tu vois la gastro, ben, multipliée par 100, donc 100 j'exagère, mais peut-être par 10 tu vois, donc c'est beaucoup. Et ensuite... j'ai eu une petite rechute, enfin je sais pas, en 2012 j'étais pas bien aussi, j'étais pas bien. Mais en fait tu vois, là on est en 2019, bientôt 2020. Alors comment ça s'est passé? Ça c'est aussi un don, une force. Il me dit de te dire que le fait d'avoir dit... parce que quand je suis allée à l'hôpital, que j'ai perdu 10 kilos en 7 jours, au bout de 9 jours, ils ne savaient pas ce que j'avais. Au bout du 9e jour, j'ai dit au 8e jour, je suis restée 9 jours à l'hôpital, et au bout du 8e jour, j'ai dit, il y a un infirmier qui est rentré dans ma chambre, je ne sais pas pourquoi faire. Je lui ai dit, mais monsieur, mais qu'est-ce que j'ai? Vous ne voulez pas me le dire? Puis alors, la communication, ouais, dans les hôpitaux, laisse tomber. C'est juste, bonjour, on va vous faire des analyses. C'est tout ce qu'ils te disent. Donc, ils m'ont fait des analyses, et puis ils ne trouvaient pas ce que j'avais, et puis le gars, je lui dis, mais vous avez, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, je vais mourir, inquiète, je lui dis, je vais mourir, et il me dit, oh, ben, vous savez, tout le monde doit mourir un jour. Oh, ben, merci. Et juste à ce moment-là, un médecin rentre dans la pièce, et le médecin dit, ah, ben, ça y est, on a trouvé ce que vous avez. Vous avez une maladie auto-immune à vie. Et moi, j'ai retenu que le mot maladie. Donc, pour moi, j'ai pris ça comme une grippe. J'ai dit, d'ici une semaine, je suis guérie. Et effectivement, je crois que j'ai pris des médicaments sur 15 jours, 3 semaines. Et il y avait très peu de cortisone, là, cette fois-ci, la première fois.
Et je suis allée mieux. J'allais mieux. Et ensuite, un an après, en 2003, j'ai fait une rechute. Là, par contre, j'allais pas mieux. Il fallait absolument que je prenne 60 mg de cortisone. Mais en fait, moi, j'ai retenu que le mot maladie. J'ai pas retenu auto-immune. Enfin, j'ai retenu auto-immune à vie. Mais moi, pour moi, c'est une maladie. En fait, c'est l'optimisme, ça. Ça, c'est quand tu es optimiste. Quelqu'un d'optimiste, il se dit, ah, j'ai une maladie à vie, bon, ben, c'est rien, c'est voilà, c'est une maladie. La personne, quand le médecin m'a dit, c'est une maladie, j'ai fait, ah, ben, c'est une maladie, ah, ben, je vais guérir alors. Voilà, ça a été ma réaction. Ça a été ma réaction à moi. Ça, c'est un don, c'est une force de... Pour moi, c'est un don, c'est une force de... C'est une puissance. C'est de dire non, mais c'est qu'une maladie, je vais guérir. Alors après, t'as ceux qui ont le don de dire oh non, mais moi je peux pas parce que je suis malade, j'ai une maladie. Alors ça, c'est tous ceux qui trouvent une excuse pour pas faire, qui disent ah ouais, mais moi je vais me servir de ma maladie comme excuse. Y a beaucoup de personnes, hein, je juge personne, mais je dis qu'il y a des personnes qui utilisent leur maladie pour dire ah ben non, mais moi je moi, oh non, je peux pas faire ça parce que moi je suis malade, ou oh non, je peux pas travailler parce que je suis malade, ou non, mais si, mais là, mais je suis malade. Enfin, le je suis malade, ça les arrange bien, quoi. Il y en a beaucoup, je te jure que c'est vrai ce que je te dis, je te jure. Et moi, ça a été le contraire. Ça a été ah non, mais moi je veux pas être malade, je veux aller travailler, je malade ou pas, voilà. Donc voilà, ça c'était pour te faire un petit témoignage par rapport à la maladie et au don de la force. C'est ce qu'il me dit de te dire. Il te dit que le don d'optimisme, le don de persuasion, le don de s'auto-suggérer qu'on n'est pas malade, quoi. Qu'on est en bonne santé, en fait. Toujours être positif, dire des phrases positives. Je suis en bonne santé. Moi, je me levais tous les matins en me disant je suis en bonne santé. Et je ne connaissais pas la loi d'attraction. Donc, j'avais déjà ça en moi. Je me levais le matin en priant, en disant au Seigneur, tu l'appelles comme tu veux, tu l'appelles la source, l'univers, voilà. Moi, je l'appelle Dieu. Ben, tu l'appelles et puis tu dis, voilà, je suis en bonne santé, aujourd'hui je me lève, je suis en bonne santé, voilà. Mais d'un autre côté, je me dis, ben, avec tous les excès que j'ai fait, ben, voilà, j'ai récolté ce que j'ai semé. Non, mais ça, c'était sûr. Voilà ce que j'ai dit. Ça, c'est aussi la loi d'attraction, tu vois. La loi d'attraction, je te parle tout ça parce que ça a à voir. Tu vas me dire, elle dit n'importe quoi, ça n'a rien à voir. Elle parle de l'attraction, elle parle des dons, elle parle de sa maladie. Oui, je parle de ma maladie parce que tu peux attirer à toi tout ce que tu ne... Moi, au fond de moi, je devais me dire, bah, avec tout ce que je fume et tout ce que je bois, je vais bien tomber malade. Voilà, c'est ça que je devais me dire. Mais peut-être que je me disais ça, je ne sais pas, mes pensées. Et en fait, ce qui est arrivé... En fait, quand mon père est décédé, je pense qu'il m'a envoyé une sonnette d'alarme en me disant « t'es malade, là, ce serait bien quand même que tu arrêtes tes bêtises ». Je crois que de là-haut, c'était déjà mon ange gardien parce qu'il me disait « arrête tes bêtises ». Et en 2003, à peu près au même moment, je me suis cassé la jambe. Donc on dit souvent « oh, ben, vaudrait mieux se casser une jambe ». Je ne sais pas comment c'est l'expression, c'est « vaut mieux se casser une jambe »,« oh, j'aurais mieux fait de me casser une jambe ». Moi, je me suis cassé la jambe, ça... parce qu'il fallait absolument que je change quelque chose dans ma vie ou que je me sépare de... Voilà, donc on m'envoyait déjà des infos en 2003, on m'envoyait déjà des infos du ciel en 2003, on m'a envoyé cette maladie, on m'a envoyé le « je me suis cassé la jambe ». Alors certains diront, non mais c'est pas possible, elle a une maladie parce qu'elle a une maladie, elle s'est cassée la jambe parce qu'elle s'est cassée la jambe. Rien n'est anodin, rien n'est au hasard, tout est calculé. Si j'ai eu cette maladie juste après que mon père soit décédé, c'était pour me, hop, sonnette d'alarme. Je me suis cassée la jambe, hop, sonnette d'alarme. Je me suis cassée la jambe en 2003, c'était vraiment pour me dire quelque chose. Avec le recul, je sais ce que ça voulait me dire. Ça voulait me dire qu'il fallait que je me sépare de mon conjoint
Et je ne me suis pas séparée. Non, parce que je suis plus têtue qu'une mule. Et puis je n'ai pas compris le signe, je n'ai pas compris le message. Je l'ai compris que bien longtemps après. Mais des fois, il faut longtemps hein, pour comprendre les choses et ce n'est pas grave. L'important, c'est que tu fais gaffe parce que tu attires à toi tout ce que tu veux et tu attires à toi tout ce que tu ne veux pas. Donc, si tu te casses une jambe, si tu as une maladie, si tu te casses, je ne sais pas, le pied, si tu te casses une épaule, quelque chose, ça veut te dire, fais attention, attention à toi, fais quelque chose. Enfin, il y a un truc à changer dans ta vie, il y a quelque chose, voilà. Il y a une chose, il y a des choses à changer dans ta vie pour aller mieux. Voilà. Il y a un truc, on ne se casse pas, comme ça. Alors après, il y a des maladresses, hein. Tu me diras, un enfant qui se casse le bras, bon, ben ça arrive, mais un adulte comme moi, vraiment, avec tous les signes que j'ai eus et que je n'ai pas compris les signes, parce que je ne comprenais pas les signes. Pourtant, je disais, oh, mais Dieu, il va m'envoyer un signe. Oui, mais Dieu, il m'envoyait des signes, mais je ne comprenais pas. Donc, si tu as la chance d'écouter cette vidéo et de comprendre que des fois, on t'envoie des signes, d'ailleurs, tu me mettras en commentaire ce que tu penses de cette vidéo et si tu penses que toi, on t'a fait déjà des sonnettes d'alarme en t'envoyant une petite maladie, un petit problème, voilà. Parce qu'on n'est pas malade comme ça, voilà. Après, il y a des maladies compliquées, mais toutes ces maladies, maladies de Crohn, fibromyalgie, la maladie d'Hashimoto, la maladie de... toutes les maladies comme ça compliquées qui sont vraiment handicapantes, parce que j'étais vraiment handicapée, je ne pouvais plus me lever du lit. Quand tu as presque 39 de fièvre et que tu pèses 37 kilos, tu peux rien faire. Donc voilà. Alors là, j'ai repris du bois de la bête. Voilà, je suis ravie de pouvoir te dire tout ça. Alors, il me dit de te dire aussi que je suis passée plusieurs fois à côté de la mort. Donc, je dois dire à tout. Alors, j'ai à 18 ans, je ferai un bonus. Bon, alors écoute, tu sais quoi, on va finir la vidéo. Et puis, je vais te faire un bonus pour te dire, il veut que je te dise pourquoi je suis là en fait. Pourquoi je ne suis pas morte, avec tout ce qui m'est arrivé aussi à côté. Donc je prends une carte pour l'intuition. Alors je te remontre les cartes. L'attraction, tu peux attirer à toi tout ce que tu veux, tout ce que tu ne veux pas. Et quand tu as réfléchi, parce que si tu t'es cassé la jambe, le pied, le ci, le là, ou que tu as eu une maladie que tu ne sais pas que ce qui se passe, c'est qu'il y a quelque chose à changer dans ta vie. Un comportement, un caractère, quelque chose à faire. D'accord ? Tu peux avoir tous ces dons, tu peux attirer à toi plusieurs dons, tu peux avoir le don de la persuasion, tu peux avoir le don de l'optimisme. L'optimisme, c'est un don pour moi, franchement, pour moi, vu comment je l'ai vécu moi, c'est un don énorme. D'avoir de l'optimisme, c'est incroyable. Alors, je remercie l'archange Michael qui me dit qu'il faut que je fasse un bonus. Tu vas être contente. Content. Contente aussi. Vous allez être content parce que je vais faire un bonus. Bon, ça ne va pas être très très gai parce que je vais parler de... Parce que j'ai quand même... voilà. Et je suis toujours là. Donc, d'ailleurs, je me demandais pourquoi j'étais toujours là. Mais je vais te dire tout ça après. Alors, 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. T'es en pleine transformation, là. Là, ça y est, c'est parti pour la transformation. Si tu avais envie de changement, tu peux demander, tu peux attirer à toi la transformation. Je prends une autre carte. Alors, la 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22. Voilà. Les maladies, c'est les obstacles.
Il faut pas que ça te pose problème. Les maladies, c'est les obstacles. Et les obstacles, tu peux passer par-dessus. Tu es assez fort et assez forte pour passer par-dessus les obstacles. D'accord? Donc, je prends une petite carte des anges maintenant. Je prends une autre carte et je choisis. Alors, je te choisis une carte pour recouvrir la carte obstacle. Ah, mais je l'ai remise dans le paquet. C'est pas grave, si je la retire, voilà. Communication, transformation, communication. N'hésite pas à parler, à communiquer pour évoluer dans ta transformation. Demande des informations, si tu as besoin de changer quelque chose dans ta vie, une transformation, un changement de boulot, un changement de voie professionnelle, un changement de voie sentimentale. Tu peux aussi décider que c'est fini ou décider de te mettre en couple. Enfin, ça, voilà, il y a des transformations au niveau de la communication. Tu vas communiquer. Il faut communiquer hein, aussi dans les couples. Hein. Vous ne communiquez pas assez. Hein. Il y a des couples, ils ne se parlent pas. Ils rentrent le soir, ils mangent et puis bonne nuit, au revoir, bonne nuit. Donc non, il faut communiquer. Hein. Voilà, il faut communiquer, communiquer. Alors, je vais ranger mes cartes et je te dis à de suite pour le bonus. À tout de suite.